Mais ça, que le volume n'a pas l'air, mais ça, c'est ça. Lenny. Oui, je sais, c'est quoi ton problème? Bonsoir, mon cœur, ça va? C'est quoi ton problème? On dit bonsoir, bébé. Je n'ai pas envie de rigoler. Dis d'abord bonsoir. Dis bonsoir, je sais que les Ivoiriens sont pour nous. Je ne dis pas bonsoir. Je ne dis pas bonsoir. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu n'arrives pas à dire bonsoir. Dès que tu dis bonsoir, dès que tu dis bonsoir, et quitte de ta vie. Ça ne me fait pas arrêter, non, faut arrêter ça. Tu vois que je suis en train de redire bonsoir là-bas. Je ne dis pas bonsoir, c'est forcé. Je ne dis pas bonsoir, pas je ne dis pas bonsoir. Je ne dis pas bonsoir. Je parle comme je parle, je suis ivoirienne, je ne suis pas camerounaise, c'est mon accent. Voilà, maintenant fais honneur aux ivoiriennes, dis bonsoir. J'étais déjà dit, il faut arrêter, ce que tu fais là, il faut arrêter, je n'aime pas. Arrêtez quoi? Je n'aime pas, tu insistes quoi? Je t'ai demandé bonsoir. Dis bonsoir alors. Dis alors. Hier, j'ai fait un... Laisse les directs d'hier, on parle de... Je ne dis pas bonsoir, c'est quoi même? Ne te fâche pas, bébé, s'il te plaît. Dis bonsoir seulement. Dis bonsoir alors. Dis bonsoir, après on va faire l'émission sur la 3, non? Je suis pas en train de rigoler. Oui, moi aussi, je ne rigole pas. Dis alors bonsoir. Ernest dit bonsoir. Les gars, pardon, en commentaire, il faut mettre le hashtag. Dites à Ernest de dire bonsoir. C'est tout ce qu'on lui demande. Bonsoir. Bonsoir, là, ça tue pas. Dis seulement bonsoir. Dis bonsoir. Alors, le bébé. Dis bonsoir, alors. Tu me veux quoi, même? Bonsoir. Tu me veux quoi? Dis bonsoir. Dès que tu me dis bonsoir, il te dit tout. Bonsoir. On finit une fois avec vous. Voilà, merci. Bonsoir, mon cœur. J'espère que tu vas bien. Elle a dit bonsoir. Le bébé. Oh, le bébé. Tu veux savoir ce qu'il te veut? Il y a quoi? Eh bien, que tu me dises la vérité. La vérité par rapport à quoi? Je n'ai pas suivi, on m'a dit que tu t'es mise en couple. Hein? Tu dis quoi? Tu t'es mise en couple. De quoi je me mêle? Hi. Et qui? Donc c'est comme ça. Quand tu te mets en couple là, tu m'appelles pour me dire ou bien en faire... Oui, non, il t'appelle souvent pour te dire parce que je ne me suis pas mis en couple depuis, donc il ne t'a pas appelé. Toi maintenant, tu dois me dire parce qu'on m'a dit que tu t'es mise en couple. Là, il faut que tu me dises. Et moi, je suis célibataire. Il ne t'a pas parlé. Tu m'as appelé pour quoi? Tu m'as appelé pour quoi? Je t'appelle oh, pour te dire, tu as quel souci avec moi, en fait. Tu sais quoi, mais ce que je fais là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Tu sais pourquoi je réagis comme ça. Laisse ton salaud te parler. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu t'es mise en couple? On me dit que ce sont les métiers maintenant. Si je me mets en couple, je ne me mets pas en couple, où est le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que tu dois me dire. C'est ça que tu dois m'expliquer maintenant. Tu t'es mise en couple. Est-ce que tu t'es mise en couple? Je veux parler. Tu veux parler de quoi? Je dis. Pourquoi tu t'es mise pour m'énerver? Qui t'énerve? Il te demande si tu t'es mise en couple. Tu dis qu'on t'énerve. Ne mets pas le cœur, s'il te plaît, bébé. Dis-moi si tu t'es mise en couple. C'est bon. C'est bon. Dans ton couple, c'est bon. Tu me mets dehors. S'il te plaît, ne raccroche pas. Attends, il te dit alors.
Attends, te dis, s'il te Donc, plaît. dis-moi, dis-moi Je ce que tu enlèves de mon te téléphone. dis la vérité, après on laisse. Pourquoi je t'envoie des messages depuis que tu ne réponds pas? C'est sur Instagram que tu as venu te mettre en direct. Je ne réponds pas parce que tu m'énerves, tu fais des publications qui m'énervent. Tu fais des publications qui m'énervent et tu abuses. Et en plus, tu abuses, mais en plus, tu continues d'abuser. Donc, tu abuses au carré. Il reste même un peu, tu abuses au cube. Il est tout à Tu vous. abuses, tu Il publies, est tu tout à publies, Thierry. tu... Ah, laisse ça, laisse ces histoires de chérie, là, on va gérer ça sur WhatsApp. Donc, moi, je suis en fait, tu sais que je suis tes posts, je suis tes directs. Et tu sais que moi, je ne bavarde pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui suis là pour faire les problèmes tous les jours. On a l'argent à se faire, toi et moi. Donc, tu es là, tu fais les posts, tu embrasses les hommes, tu montes, tu descends, tu montres les cuisses. Comme le teint est chocolat, c'est bien, c'est beau. Tu viens, tu me racontes quoi. Tu fais qu'il y a de posts là-haut tous les jours pour qu'elle ne réagisse pas à tes messages. Tu ne vois pas ce que tu fais. Ou bien c'est la provocation. Tu vas atteindre mon ego. Allô, bébé. C'est parce qu'on est devant les gens que tu parles comme ça, ou bien c'est comment? Devant les gens ou pas devant les gens, je t'aurais dit la même chose. Moi, j'ai même commencé mon direct en espérant que tu viennes dessus parce que c'est qu'on se file, on se suit, non? C'est entre nous, en bandit, on se cherche. Mais tu fais les posts qui m'énervent et tu continues. Après, tu me publies les mains des blancs. Tu es en mode, je sais pas trop. Tu sais pas. Tu veux faire les bébés métis. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Maintenant, bon, non, ne raccroche pas, reste tranquille. Reste tranquille d'abord. Calme-toi, descends le cœur à terre. Ne mets pas le cœur. Calme-toi d'abord. Bon, ça va, il ne parle plus. Je vais te dire la vérité. Allô, bébé. Ça va, ne Je te t'écoute. fâche pas, le bébé. Oui, le bébé, écoute-moi, le bébé. Dis-moi pourquoi tu fais les posts bizarres là-bas. Pas ce que je veux, c'est mon Facebook, c'est ce que je veux. Non, c'est pas ton Facebook, c'est notre Facebook. Et tu fais les posts bizarres. Arrête. Oh. J'arrête, ça va, alors j'arrête. Eh, le bébé, oh là là, oh, qui m'a, eh, si les Camerounais m'avaient dit depuis qu'elle finit comme Samuel et toi à construire une maison en Côte d'Ivoire pour aller vivre avec ma femme. Eh, nom de Dieu. Bon, ça va. Dis-moi, ça va, non? J'arrête. Faut arrêter. Oui, dis-moi alors la vérité. Pourquoi tu me fais les pouces comme ça? Je ne fais pas les posts pour toi. Tu sais C'est que toi-même gourmand, que tu j'ai as arrêté de gourmand. poster sur toi. Tu dis quoi? C'est gourmand. Gourmet de quoi? Gourmand de non-réponse, parce que moi, il répond pas, parce que tu es là, tu me fais les pouces bizarres. Il t'a dit, je suis un gars qui ne parle pas trop. Regarde. Oui. Mon Facebook, c'est mon Facebook, je fais ce que je veux. Tu comprends? Non, Si tu as c'est des choses moi à, non, si tu as des choses à me dire, moi qui si fais ce qu'il veut. Donc toi, tu es sur ma tête. j'ai dit, si tu as des choses à me Et dire là, tu m'envoies ça en tu ne inbox. dis pas, laisse les histoires que tu dis là. Donc tu fais Tu exprès de dis faire quoi? le son là comme ça. Tu ne Donc dis tu as fait rien. exprès de faire le son là comme C'est ça. moi qui fais. Moi, il fait ce qu'il veut. Toi, tu n'as pas le droit de faire ça par rapport à moi. Toi, tu dois Parce me que respecter. Toi, tu dois me respecter. je te respecte ou quoi? Est-ce que tu as le choix? Pas comme ça même. Est-ce que tu as le choix? Tu dois me respecter, oui ou non? Il te manque de respect. Hey. Attends. C'est toi qui me parles comme ça là. Je te parle comme ça parce que tu es en train de m'énerver. Maintenant, les gens vont commencer à apprendre maintenant pour faire le beurre là. Oui, Tu es en oh train de non, mais m'énerver. m'en fous de ce que les gens vont dire. Maintenant, non. Je te parle comme ça parce que je suis énervé. Et toi-même, tu sais que c'est la toute première fois que je te parle comme ça. Mais j'ai dit, oh, quand c'est comme ça là, il faut assumer, non? On a vu tes interviews que tu as données sur les plateaux ici.
ou pour prononcer mon nom, c'est un problème. Si tu dis que tu aimes la fille, j'aime la fille ici, chez toi. Mais tu assumes. Tu avais arrêté de me faire comme ça, comme ceci, comme cela. Maintenant, quand je vais venir faire mes postes, tu vas trouver que moi, je suis nagué. T'es nagué comment? Tu veux les postes? Tu veux les postes? Tu veux le... Bon, ça va alors. Il va porter ce qu'il va faire. On va porter tous les Camerounais. Comme ils sont, nous sommes combien? Ces 28 millions là. On va venir en Côte d'Ivoire. C'est moi qui paye les billets d'avion. Tu vois un peu, non? Mais continue à faire les postes que tu fais là. C'est la vérité qui va sortir. Tu vas me dire ce que tu fais en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as les photos où tu fais les bisous à tous les artistes. C'est toi qui fais là comme si, oh non, ça va. Je suis la Sainte Vierge Marie. Mais Marie n'a pas mon niveau. C'est moi qui vais faire le Jésus pour les Juifs. Tu ben. Pourquoi tu attends pour venir me dire ce genre de choses là sur Instagram? Tu as mon numéro, non? Et ma poule d'attendre Instagram, je te parle là. Si je te disais ça sur WhatsApp, tu allais comprendre. Qu'est-ce que tu dis ça devant les gens là et voir comment tu réfléchis un peu. Tu m'insultes maintenant, tu es en train de dire que je ne réfléchis pas. Qui t'insulte? Et que, mais, eh, Seigneur, quand on dit qu'on ne gagne jamais le combat avec les gars, c'est tout comme ça. Qui t'insulte? Qui? Si tu as insulté ma mère, pardon, désolé, je suis désolé. Je m'excuse, je n'aurais pas dû. Si tu as fini de parler, tu fais ce que tu veux. Mais il t'a déjà prévenu, arrête. Arrêtez quoi donc? Continue à faire les postes, non? Continue donc à faire les postes. Tu avais les blancs maintenant, n'est-ce pas? Et moi, j'ai dit que choisis ton salaud, aime ton salaud, fais de la bouche jusqu'au salon, lave le site, se salit. Si tu veux, mets le cœur, ça, ça te regarde. Si tu veux, comprendre. Et t'as dit qu'actuellement, tu es sur l'axe lourd. Tu es en train de rouler, tu kiffes, c'est bien, tu as la vitesse. Mais quand tu vas, tu prends l'axe lourd là, tu arrives à un carrefour. Pour rentrer chez toi, il y a toujours un carrefour. Quand tu arrives au carrefour là, c'est moi le carrefour là. C'est moi qui vais te donner le chemin et tu vas arriver à la maison. Finis ton axe lourd, même si ça prend combien de temps. On peut arriver en Côte d'Ivoire par la route, non? Ça prend le temps. Finis ton axe lourd. Conduis l'équipe. Tu es dans la voiture, non? Et t'attends à la maison. Je suis étonné. Tu sais comment? Je suis étonné. Tu parles comme ça. Laisse l'embrouille que tu veux à faire, là. Ça, c'est que tu veux à m'angoiser. Il faut laisser. Et tu as dit la vérité. Si tu veux, non? Tu mets le cœur. Et t'es adiqué, fini. Et ne, oh, y a rien à se dire après que ou non, y a rien. Si on sait qu'il y a après, non, c'est que l'axe lourd est fini. Comme je suis en train de te parler là, il te dit que j'ai ton axe lourd. Tu prends les virages, tu fais les dérapages. Oui, tu es dans la voiture. Maintenant là, j'ai ton axe lourd, fais les direct pas. Sinon, tu m'emmerdes. C'est nous à m'aider là, j'avais dit que tu me fais les problèmes. Hein. Au revoir. Si tu viens me parler là, tu me parles sur Instagram. Tu me parles sur WhatsApp. Tu passes une bonne journée, mon cœur. En bas là-bas. Bisous, le bobo. En bas là-bas.